tout le monde! Alors aujourd'hui, j'ai ouvert mon propre McDonald's et bientôt, papa et Athéna vont venir commander au McDonald's de chez Calice et vont dire quel est le meilleur, mon McDonald's ou le McDonald's qu'il y a partout en France. Alors je vous invite à voir mon restaurant. Donc il y a des petits posters du menu, le logo des menus. Puis là, tu as le menu complet, les formules, les petits ballons parce que c'est joli. Et là, tu as toute la nourriture. Donc maintenant, j'attends papa et Athéna qui vont commander. Ah, je crois que mes clients arrivent. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est sympa ce restaurant. Bah oui. C'est nouveau? Oui. Que voulez-vous manger au McCalice? Alors, bah, qu'est-ce qu'il y a à manger? Eh bien voilà, le menu est ici. Waouh, il y a du choix. Il y a du choix, je vois qu'il y a des surprises, il y a des jouets. Oui. Il y a des nuggets. Il y a tout ce dont vous pouvez ballons. Rêver. Tu veux un ballon? Elle peut avoir un ballon, c'est possible ou pas? Oui. Ouais. Tu me passes un ballon, s'il te plaît? S'il vous plaît. Oh, bah c'est cool. Dis donc, on est bien reçu. Alors, Athéna, est-ce que tu sais ce que tu vas manger, toi? Oui. Alors, tu veux quoi? Un Happy Meal avec des nuggets de poulet. Ouais. De la sauce barbecue. D'accord. Des tomates cerises. Avec un iced tea et en dessert des pommes. Ah bah t'as l'habitude hein. Et que veux-tu comme surprise? On a quelques livres, une surprise garçon avec des lions et une surprise fille avec des petites filles. C'est bien un livre pour lire Athéna. Non? Tu veux quoi? Une surprise avec des filles. Ouais, d'accord. Une surprise fée. D'accord. Et moi, Attends, papa. Ouais, je veux un deuxième Happy Meal. Tu veux un deuxième Happy Meal? Ok. Alors je voudrais un burger avec des potatoes, avec un iced tea et avec, je vais prendre quoi? Ah oui, une glace vanille. D'accord. Et qu'est-ce que tu veux en jouer? Une surprise garçon. D'accord. Et vous monsieur, que voulez-vous manger? Alors, ça me fait bien envie là, le menu filet aux fiches. Il y en a? Oui, pas de problème. Il y a du poisson? Oui. Ah, moi qui me l'a piégé. Ok, je vais tester avec la petite sauce tartare et tout. Ouais. Parce que ça sera meilleur que McDo, le vrai. Attention, bien, ok. Donc je vais prendre un menu filet aux fiches avec des frites. Voilà. Et puis un coca, ben voilà, exactement comme voilà. Ça. C'est la pub qui donne envie. Et un dessert. Un dessert? Ah oui, tiens, un dessert. Ah, oui, dessert. Je vais essayer de la piéger. Je vais prendre un sundae caramel. D'accord. Avec des cacahuètes dessus. C'est possible? Ah ben je demande à voir. C'est des cacahuètes salées, hein. Ok. Je blague. Et je vous laisse patienter. Je vais commander votre plat. D'accord. On va bien manger, je crois. Et c'est comme ça que je commande notre plat, oui. Ah oui. Bon, bah je crois que mes clients sont allés jouer à l'heure de jeu. Bien, je vais commencer à préparer leur repas. Alors. Voilà, c'était caché. Donc, une petite poêle avec de l'huile d'olive. Et on fait chauffer. Oups. Alors ensuite je vais faire chauffer le bun. Donc je vais aller en cuisine. Faut pas regarder parce que c'est top secret les cuisines. Donc je vous laisse patienter là 2 secondes. Dans un hamburger, pas de fromage. Et on attend que le pain cuise. Ah bah c'est prêt. Alors, on met le steak haché avec du ketchup. Voilà. Et une tranchette de cornichon. Voilà. Et on referme bien. Et comme dans les vrais McDo, c'est tout ratatiné. Donc après, on prend le paquet. Voilà, le burger est prêt et on va pouvoir passer au boisson. Donc, on va mettre quelques glaçons avec la machine à glaçons magique. Et pite.
on peut tout mettre. Ah non, on peut pas tout mettre. On referme. La première boisson est prête. Ensuite, c'est le Fanta. On pchite. On remplit. Et il y a même de la mousse. Si c'est pas génial ça. Ensuite, le troisième, Ice Tea. Oups. Donc, on referme les petites poissons. Qu'est-ce que je fais? Les tomates. Alors, les tomates que je mets dans le petit sachet. Donc, on va mettre quelques tomates dedans. Et maintenant, on coupe la pomme. Bah, de toute façon, c'est moi qui vais gagner. Hein. C'est normal, après tout, au McDo, c'est pas bon. En plus, là, c'est bio. Et le bio, c'est bien. Et les petites pommes. Et maintenant, le plat principal. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Je vais mourir. Oh, oh, oh. Non, t'es pas. Alors, et là, au McDo, il n'y en a que 4. Et bien chez nous, il y en a 5. Alors, on met les petits nuggets. Et voilà. Ensuite, les patatos. Ensuite, une petite pomme de terre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, et puis voilà. Voilà, tout est rempli. Et le petit burger fish play. Je sais plus comment il s'appelle. Ça fait très professionnel. Donc nous avons nos petits pains. Et que nous allons remettre dans le grille-pain. Oh, regarde pas. Du fromage. En attendant, je vais préparer le plateau repas. Donc, il y a le truc pour les petites boissons. C'est cuit! Alors là, tout seul pour maintenant, c'est la course contre la montre. Le magnifique, le grand, j'ai nommé, le poisson pané. Voilà. Je crois qu'il est un peu grand. Bon, c'est pas bien grave. Hein. Ensuite, la sauce tartare. On en met un petit peu sur le poisson. Mmh. Et on referme. Et la boîte magique qu'on va peut-être, enfin sûrement, ne pas réussir à mettre dedans. Ah non, finalement ça rentre sans problème. C'est génial. Alors, qu'est-ce qu'il manque? Il manque les frites. Je vais les chercher. Elles sont dans le... Et c'est parti pour 2 minutes 30 de frites. Alors, la glace. La meilleure glace du monde. La glace à la vanille. Nous avons une magnifique glace. Et aussi un magnifique petit emballage pour glace. Donc, on va faire des mini glaces, des mini boules. Elle est ressortie. Non, petite glace. C'est ton destin, tu vas te faire manger. La maltraitance des glaces. Signez la pétition pour sauver les glaces en voie de disparition. Voilà. Et on ferme la magnifique petite glace. Et le magnifique petit sorbet. Donc on va mettre beaucoup de glace à l'intérieur. Beaucoup, beaucoup. Comme ça.
C'est très beau. Oh, les frites sont prêtes. Et nous avons là une magnifique corbeille pour les frites. Donc, on a plein de frites. Ah ! Frites sauce tartare. En plus, vous avez une frite sauce tartare en prime. Et voilà. Continue avec la glace. Je crois que j'en ai pris un petit peu trop. Alors. Et voilà. Je vais essayer de faire un truc joli. Bon. Certes, le McDo c'est plus joli, mais le mien il est meilleur. Je vais chercher la sauce caramel. Je l'ai. Ouh, c'est joli. Je crois que j'ai mis assez de caramel. J'ai mis plein de caramel et plein de cacahuètes. Non. Et ensuite, on met le petit capuchon. Et normalement, c'est fini. Il n'y a plus qu'à tout emballer. Pour ça, on a besoin de 2 boîtes Happy Meal. Alors, les tomates, les pommes, les petits nuggets. Et une drôle de tête, cette Happy Meal. Oh, alléluia. Et la petite surprise. Comment ça va faire pour rentrer tout ça? Tant pis, hein. Elle est très bien comme ça. Alors, pour la deuxième boîte. Le burger, la glace. Ah, mais c'est normal, je les ai mises là, les pommes de terre, je suis pas douée. Voilà. On ferme. Voilà une jolie petite boîte. Avec 2 surprises. Une et 2. C'était vraiment pas très efficace son truc. Comment je vais faire maintenant pour mettre tout ça? Bah, en fait, on va les mettre à part. Les frites. Oh non, j'ai oublié la sauce barbecue. Voilà. Et. Je crois que c'est tout. Alors, à table tout le monde. La commande numéro 1 est prête. Ah. Oh. Et bien voici votre menu. Et je vous donne en bonus 2 jolies petites serviettes McDo. Ah, c'est des serviettes en tissu? Ouais. Ah, elles sont classe. Elles sont trop belles. Oh ouais, voilà. C'est des vrais McDo, hein. Bah. Il y a le M dessus et tout. Avec une petite sundae dessus. J'espère que vous allez aimer la cuisine McCallis. Alors, ça c'est pour Athéna. T'as 2 surprises. Ok, petite sundae. Ah, mon filet aux fiches. Ouh, eh, pas mal. Trop bon. Ça, ça va être mon coca, je pense. Ouais. On va goûter. Des glaçons aussi. Classe. Ah, sans comment les potatoes, Athéna? Bonne. Alors je vais goûter. Est-ce qu'il y a la petite sauce mayonnaise ou pas? Oui. Non. Le ketchup, le barbecue, il est là. Ah, une petite sauce, j'aime bien la petite sauce blanche avec les potatoes, il n'y a pas. Ah, c'est pas grave. Après. Bon appétit. Petite tomate cerise. Des petites pommes pour le dessert. C'est joliment présenté. La glace. Le hamburger des forêts. Ah, t'as 4 nuggets là. Oh, il y a 5. Un nugget bonus. Un nugget bonus cadeau. Bah oui, parce que sinon c'est pas marrant. Un McDo il fait 4 nuggets. Bah moi je fais 5 nuggets. Soyons fous. Je te sers du ketchup, Athéna? C'est de la sauce barbecue, mais bon. Bon, Athéna, est-ce qu'elles sont bonnes les tomates? Ça se présente bien, hein? Et tout ça pour seulement 128 euros. Alors, un nugget. Mais bon. Finalement, vous en aurez que 4 des nuggets, hein. Même l'employé goûte. Alors. Bah oui, c'est bon. Goûte à la sauce barbecue. C'est que j'ai faim, moi. Qu'est-ce que t'en penses, Athéna? Bien. Mieux que McDo ou pas? Non. Ah. Ah, bah ça, faut. Déjà un point en moins.
Pas pour un bœuf, pas pour un mou. Ça n'a pas le même goût qu'un McDo. C'est bon. Ouais. Est-ce que c'est mieux ou pas, je sais pas. C'est pas le même goût, parce que ceux de McDo, ils ont vraiment leur goût à eux. Moi, je dirais égalité. Moi aussi. Okay. Eh bien, je voulais goûter le reste. Alors, le reste, les frites. Oh. Ouais, elles sont cuites. Elles sont bonnes. Un peu dures. Mais elles sont bonnes. Je préfère celles de McDo. Moi aussi. Mais elles sont bonnes. Je préfère les frites du McDo. Ça, c'est des frites micro-ondes, ça. Oui. Vive le micro-ondes. Celui qui a inventé le micro-ondes est un pur génie. Du coup, c'est le vrai McDo qui prend l'avantage au niveau des frites. Ah, pour les potatoes, c'est vrai qu'on n'a pas voté. Quoi. On a goûté, mais on n'a pas voté. Bah, c'est normal, elles sont beaucoup trop bonnes pour mettre des mots dessus. Ce sont les meilleures du monde. Moi, je les trouve trop bonnes. Elles sont bonnes, hein? Ouais. Je trouve meilleures parce qu'il y a un petit goût d'herbe. Ça part. Ouais. Allez, égalité, on revient à égalité. Un point plus pour le McDo de Calice. Fanta. Bah, j'ai goûté la stick. Hein. Bah, le Fanta, c'est le Fanta. C'est le même Fanta. Hein. Voilà, ici aussi. Égalité au niveau du soda. Il y a même les glaçons, tout est pareil. Le thé c'est le même, le coca c'est le même. Égalité au niveau des boissons. Ah c'est en borure vous? Oui. Ouais. Carrément dans le truc et tout. Bah oui, on fait pas les choses à moitié, c'est une Mac Calice. Alors, un steak, du ketchup, un cornichon, tout pareil. Y'a pas un peu de moutarde normalement? Tu sais, une moutarde jaune, comme burger. Ça goûte. Mmh. Ouais, bon. Bien sûr qu'il est bon. Ah c'est meilleur. Ah bah ouais, c'est le mien le meilleur. Ah fait maison c'est meilleur, on sent vraiment le bœuf là. Ouais. Donc, il faut un point, tu reprends l'avantage. Oh. Alors c'est vrai, si on file aux fiches, il y a quand même le gros truc là. Le filet aux fiches. J'en ai déjà mangé pas mal au McDo, j'aime bien. Alors le pain c'est bon. La sauce et le... Tartare. Elle a l'air grasse. C'est, il y a une tranche de fromage, tout pareil. Il est pas rond hein, le poisson. Ah, désolé, on fait avec ce qu'on a, Jean-Pierre. Normalement, il est carré. Ah oui, j'avoue. Ah, le McDo, il est carré. Alors, pouet. Le meilleur. Ça manque de la petite sauce que j'adore. Après, c'est pas exactement la même sauce. Hein. Ça n'a pas le goût de capre comme au McDo. Tu préfères celui-là? Bah, de toute façon, t'as jamais goûté du fish and chip McDo. Non. Mais moi, je préfère celui du McDo. Bah, oui. Hein, quoi? Bah autant le burger, je préférais le tien. Autant je préfère celui du McDo. C'est pas la même sauce, c'est pas pareil. Okay. Et maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Le dessert. Voilà. Alors, c'est ça. Bon, un peu fondu, mais c'est normal, il fait chaud. Hein. C'est pareil au McDo quand on attend trop. C'est pour ça qu'au McDo, on peut la récupérer après le repas. Tu sais, c'est pas ma faute, c'est pas moi qui fais le réchauffement climatique. Hein. Ils sont très bien. Très bon. Oh, oui. Ah, j'adore. Parfait. Parce que la glace vanille au McDo, elle n'a pas le goût de vanille. Là, on sent la vanille, elle est super bonne cette glace. Les cacahuètes sont très bien. Le caramel est bon aussi. Donc largement au-dessus, ce qui fait que... Bah, déjà, tu avais un point à l'avance. Allez, pomme. Et là, tu as deux points d'avance, et même trois, parce qu'on donne tous les deux notre point. Bah, les pommes, c'est des pommes. Hein. Ouais. Égalité pour les pommes. Bah, bravo. On a oublié les petites surprises. Alors, ça y est, on a bien mangé. Ah ouais, c'était trop bon. Bravo, Calice. En tout cas, tu as relevé le défi de « Je peux mieux faire qu'au McDo Challenge ». La fée des rêves. Et voici des petites surprises. D'ailleurs, merci à Altaïa au passage qui nous ont envoyé ça. Donc, tiens, c'est l'occasion. Antena ouvre le fée. Et c'est parti. Oh. Ah ben, t'as carrément le lion. Ouais. Et toi, t'as carrément la fée. Mais laquelle? En même temps, c'est que des fées. C'est il a fait la vaisselle, fait le ménage, fait... Il a fait tes devoirs. Fait tes devoirs. Papa. Ah, Vanilla. Oui, il y a la fessée aussi. Oh, non, 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 non. Alors, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ça, si vous en voulez d'autres, fais ça. Vanilla. Un max de pouces bleus. Vanilla l'a fait de la beauté. Bon, bah voilà, bravo, Calice, tu t'es vraiment débrouillée comme une championne. Hein. Et je crois qu'on va profiter de ce restaurant McDo. Hein. Ouais, demain, on mange au McDo. Enfin, ici, en tout cas. Ah, les gars. Allez, gros bisous à tous. Fais plein de bisous. Et n'oubliez pas, d'ici là, soyez vous. Soyez bien. Soyez bon. Et bravo, Calice.